Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, on se retrouve pour la présentation du Renault Capture. AutoGM, c'est une vidéo inédite chaque semaine, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour être alerté des prochaines vidéos. Pour rappel, on est sur un modèle sportif avec notamment les jantes alliage en 18 pouces, le badge RS Line juste ici, les feux LED, les ailes avant chromées et le bouclier sportif. À présent, je vous invite à me suivre à l'intérieur de ce véhicule pour voir ses différentes options. Ici, on est tout aussi sur un modèle sportif avec les détails rouges sur la sellerie, ici aussi. Pour régler le poste de conduite, par exemple le siège, on a juste une mallette sous le siège, on règle comme ceci. Le volant, c'est pareil, on a une mallette qu'on doit venir baisser comme ceci. Ensuite, au niveau de ce grand écran vertical de 9,3 pouces dont on va faire le focus aujourd'hui, on voit qu'il est doté de la technologie Multisense. Alors, on y accède en appuyant juste ici ou bien en appuyant sur le connecteur juste ici. Cette technologie Multisense permet de choisir entre trois modes de conduite. Tout d'abord, le mode éco qui permet une conduite à faible consommation d'énergie qui va peu impacter l'environnement. Donc ce mode de conduite, pardon, il est privilégié pour une conduite en ville puisque la conduite est plus souple. Mais par contre, il ne va pas être privilégié sur l'autoroute par exemple. Ensuite, le mode sport qui va lui permettre une conduite plus dynamique. Donc celui-ci est à privilégier lorsqu'on double par exemple ou sur les routes à lacets, puisque la boîte de vitesse et le moteur sont réglés pour être plus précis et plus intensifs. Ensuite, le mode MySense. Le mode MySense qui dispose des réglages par défaut du véhicule. Donc ici, on peut régler le confort de conduite, l'ambiance lumineuse, les options, etc. Donc par exemple, on peut régler selon différentes couleurs l'ambiance du véhicule et également tous les réglages qui sont déjà par défaut de ce véhicule. Ce véhicule dispose de plusieurs aides à la conduite comme l'aide au démarrage en côte, la détection d'angle mort, etc. On peut désactiver toutes ces aides depuis cet écran, notamment en cliquant ici. On voit que là c'est désactivé, on le réactive simplement en cliquant et c'est pareil pour le reste. On peut voir que tous les paramètres de cet écran apparaissent sur ce tableau de bord sous forme de widget. Pour les consulter, on appuie sur cette icône. Donc ici on peut voir quelques informations comme notre consommation, nos sources multimédia, le mode de conduite et on peut venir appuyer sur ces flèches là pour en savoir un petit peu plus. En ce qui concerne le volant, c'est un volant chauffant avec les palettes juste ici pour la boîte de vitesse dont on parlera tout à l'heure. Il dispose du badge RS Line. Ici, on a le limitateur de vitesse, le régulateur de vitesse et plusieurs autres boutons comme les appels lorsque le téléphone est connecté. Pour démarrer le véhicule, étant donné que c'est une boîte automatique, on a juste à appuyer sur le frein et à démarrer en appuyant sur ce bouton. Les clés sont ici, elles disposent d'un espace prévu à cet effet. On a ici tout ce qui est réglage de la clim, donc on tourne le bouton pour régler clim automatique. On a ici un câble USB 12 volts et ce coin là c'est pour charger le téléphone, c'est un chargeur à induction, donc on le pose et le téléphone charge. On a également des rangements ici, l'accoudoir qui se règle et qui s'ouvre. On a ici une boîte de vitesse automatique avec drive pour avancer, ici c'est le point mort et R pour reculer. Lorsqu'on s'arrête, on appuie sur P et on a le frein automatique qu'on a juste à enlever en appuyant sur le bouton.
À l'arrière, c'est confortable, on a de la place. On peut en plus régler notre espace avec la mallette comme à l'avant, comme ceci, on avance et on recule. On peut régler également les appuis-tête juste ici. On a un chargeur USB ici et les aérations. Les dimensions de ce véhicule sont de 4,22 mètres de longueur, 1,79 mètres de largeur et 1,59 mètres de hauteur. On va regarder le coffre de plus près maintenant. Donc on est sur un espace compris entre 404 et 536 litres. On a aussi un double fond, c'est très pratique. Et si on rabat totalement la banquette, on est sur un espace total de 1275 litres. C'est tout pour aujourd'hui, ce Renault Captur n'a désormais plus aucun secret pour vous. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo. Et si vous voulez voir la présentation du véhicule, c'est juste par ici. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.